Bonjour à tous, bonjour tout le monde et bienvenue sur votre série FDJ Finals. Nous continuons cet épisode, cet nouvel épisode aujourd'hui, cette saison, deuxième saison pour la Groupama FDJ. On est du côté d'Espagne avec ce tour de Pays Basque qu'on n'avait pas du tout remporté la saison passée. On a fini 5-6 avec Reckenbach et Godu. Et vous vous souvenez, hein, c'est un contre-la-montre, c'est à la fin que Roglic nous avait vraiment mis une de ses raclées monumentales. Et alors aujourd'hui, on va finir également ce tour des Pays Basques avec ces étapes-ci. Donc une étape de sprint pour des sprinteurs, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et après, des étapes vallonnées et un contre-la-montre très très difficile. Et puis le prochain épisode, ça sera le départ de Paris-Roubaix. Le monument, hein, le troisième monument de la saison. Remporté la saison passée par Stefan Kung. Et donc on a en ligne de mire le Giro 2021, donc c'est le même parcours du Giro qu'on a eu la saison passée, avec une arrivée à l'Etna et une étape, donc Giro remporté brillamment par Godu la saison passée. Donc les petites nouvelles, donc les mails, il y a un prototype qui est disponible, les coureurs qui sont rétablis, les coureurs qui sont revenus de stage de reconnaissance, invitation à la Vuelta, les équipes ont poser leur candidature et on suit un petit peu les stages. Alors, des coureurs qui sont revenus d'Italie, c'est normalement Pino qui doit revenir mi-mai, mais on sait pas, voilà, c'est marqué mi-mai. Il a chuté, si vous avez manqué l'épisode, donc il avait chuté sur le route de Tour de Catalogne, alors qu'il était troisième au niveau du classement général. Donc sa saison, elle est tranquille, hein. Donc on avait prévu qu'il fasse, on lui a programmé un doublé Giro Tour de France pour avec sa chute. Donc on sait pas ce que ça va donner. Regardez son pic de forme, c'était au Tour de Romandie, et pour qu'il puisse surfer un petit peu sur cette vague là et ensuite commencer le Tour de France en une très bonne forme. Voilà, très peu de courses pour lui, et puis finir au niveau de championnat du monde. Donc voilà, c'est parti pour cet épisode. Donc on va finir ce tour du Pays Basque avec, en commençant déjà en fait par cette étape, et la fraîcheur de nos coureurs commence à être inquiétante, donc on va un petit peu lâcher prise, donc laisser les autres prendre le contrôle pour récupérer nos coureurs, parce qu'il y a un contre-la-montre à la fin. Donc il faut une très bonne fraîcheur. Donc on rappelle que Godu, lui, son pic des formes, c'est prévu pour Liège-Bastogne-Liège. Donc il va être aligné pour faire Liège-Bastogne-Liège. En fait, c'est triptyque ardennaise. Et là, très bien positionné. Il est premier partout. Donc on va se lancer sur cette étape pour des sprinteurs, promis aux sprinteurs. Mais c'est que là, en fait, l'alto de Zaldiaran peut donner des idées aux peintures. Placé juste à 10 km de l'arrivée, ça peut donner des idées. Et surtout que ça se termine sur une descente. Donc toutes les secondes sont convoitées sur cette édition de Tour de Pays Basque 2021. Allez, on va d'abord faire l'équipement. Donc il y a un prototype qui est en marche chez nous. Alors comment je le fais déjà, le prototype? Attendez, on va aller au niveau d'équipementier. C'est dans les roues en fait, hein. Ah, c'est les roues. C'est les roues contre la montre en plus. Donc on mettra, voilà, donc sur l'étape contre la montre, on va progresser, faire progresser le truc. Allez, c'est parti, les favoris pour cette étape. Donc on a Mathieu Van Der Poel, Julian Alaphilippe, Mart Pedersen. Donc nous, on va rester dans la roue de Julian Alaphilippe, et si on trouve une opportunité, donc on ira chercher des secondes qui vont être cruciales au vu du chrono final de ces tours de Pays Basque. Let's go. Il fait beau sur les routes espagnoles sur cette troisième étape de ce tour de Pays Basque 2021. On a des coéquipiers de Diego Ulissi avec Yann Polanc et le leader du classement aussi qui est juste là à l'approche de cet alto de Zaldiaran. Yann Polan, qui on retrouve ici, hein, Marc Hirschi dans la roue de Guillaume Martin, co-leader, hein, avec Godu. Voilà, on avait dit que le col 3ème catégorie est placé à 10 km, donc ça peut donner des idées aux punchers, mais là, vu le tempo imposé par les United Emirates, je pense pas qu'il va y avoir des attaques, hein, parce que là, ça roule vraiment, vraiment très très fort, à rythme soutenu.
Yann Polan qui est en train de dissuader toutes les attaques. Donc on n'aura pas vraiment des bonnes sorties ici dans ce peloton. On roule vraiment à rythme soutenu. Pas de bonnes sorties autorisées. Voilà, 10 km, plus qu'un kilomètre pour basculer au sommet de ce col. Attention, ça tente avec Brandon McNulty, vainqueur d'une étape sur, je sais même plus en fait laquelle s'est imposée, mais il sort avec un bon groupe, donc voilà, on va basculer à beaucoup. Ici, bah, on aura un sprint à ce jeu-là. Attention à Julien Alaphilippe, hein, dans la roue de Honoré. Honoré qui honore Julien Alaphilippe, c'est un jeu de mots. Allez, Brandon McNulty... n'abandonne pas, il est en train de tenter de porter encore une accélération, regardez. Ah ouais, il tente encore un coup là, hein, donc on va peut-être pas du tout le laisser rouler, hein, le laisser s'effiler plutôt. C'est un spécialiste de force solitaire, donc si on lui laisse quelques secondes, on peut faire une croix à la victoire d'étape en tout cas. On remonte ici Mathieu Van Der Poel par Warren Barguil, alors que Honoré est en train de préparer les trains. Pour Julien Alaphilippe, Van Der Poel s'est fait complètement oublier. On est à 2 km de l'arrivée. Van Der Poel qui prend les sièges de son coéquipier ici, Nairo Quintana. Barguil qui emmène Van Der Poel. Attention, on va passer sous la flamme rouge. Van Der Poel idéalement lancé, il va s'imposer. Van Der Poel, le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège s'impose. Victoire de Mathieu Van Der Poel. Victoire du vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2020, Mathieu Van Der Poel ici, hein, s'impose devant Benjamin Thomas. Et pour les leaders de notre côté, donc il s'est rien passé, on s'est neutralisé avant une étape un peu plus difficile, plus corsée. Et c'était vraiment c'était une étape de transition, beaucoup, ce qui nous a permis un petit peu de récupérer, de gagner un petit peu de la fraîcheur. Donc victoire ici de Mathieu Van Der Poel. Victoire de Van Der Poel qui domine le sprint, ça c'est... Il n'y avait rien à faire, il était plus rapide, donc on n'a pas du tout concédé de temps par rapport aux hommes qui étaient là. Donc on finit 6ème avec Godu, et on est toujours devant Romain Bardet pour 46 secondes avant cette 4ème étape qui va être un peu plus difficile. Hein, la 4ème étape sera autre chose, une autre paire des manches, parce que là, regardez, les portions vont être beaucoup plus corsées sur cette 4ème étape. On peut perdre 2 secondes également, on peut perdre même une minute. Hein, donc si on est très mal positionné juste au début de l'alto de Araté, on peut prendre complètement cher. Alors, fin de pic de forme pour Mickaël Delage. Il nous a manqué, hein, Konovalovas, 5e dame plutôt, pour le Tour de Flandre. Parce que voilà, donc c'est pas du tout passé, hein, le Tour de Flandre, je suis toujours dans le coin de ma tête. Voilà. Araté à Eibar, c'est col ici, l'alto de Araté, très très difficile, hein, pour l'avoir déjà fait, enfin joué dans le jeu. Il faut être très très bien positionné parce qu'on va le faire je pense deux fois. Une première fois, non, il y a d'abord l'alto des Isois ici aussi, première catégorie, extrêmement difficile, très pentu. Il faut vraiment vraiment s'accrocher, donc on est avec Godu qui va progressivement atteindre son pic de forme. C'est dans 17 jours, donc là on y va avec... on va voir peut-être, hein, donc le profil ici pour cette 4ème étape. Regardez, l'alto de raté 10%, maximum à 10%, l'alto ici 9%, c'est pour dire que ça va vraiment être très très difficile cette étape. Donc la fraîcheur va jouer. Et puis après le final ici, il faut vraiment vraiment y aller, hein. Donc 6 km de montée avec une moyenne de 7, mais un max à 10%. Faut s'accrocher pour aller chercher la victoire, et surtout ne pas perdre de secondes, hein, donc sur Primoz Roglic. Si on en a moyen, si on a les moyens avec Godu, on pourra aller chercher l'étape, surtout prendre surtout en fait, hein, des secondes de bonification qui seront capitales pour la victoire finale. Godu, on sait qu'il ne roule pas du tout très bien, hein, c'est pas du tout le chrono, c'est pas au chrono qu'on attendra Godu faire des prouesses au chrono. Donc entraînement, pourtant on lui fait un entraînement, ah, grimpeur. Mais non, on aurait dû faire un entraînement contre la montre peut-être, hein, pour peut-être voir s'il peut progresser. Non, on laisse course par étape par exemple. On va tenter plutôt course par étape. Allez, les favoris ici, on va retrouver les mêmes, hein, donc les Tadej Pogacar, les Nairo Quintana. Pogacar qui était un petit peu distancé, hein, dans l'épisode précédent. Voilà, donc il monte progressivement aussi. Il n'est pas très en forme. Lui, il va être, il faudra l'attendre au niveau de Liège-Bastogne-Liège et de Tour de Romandie. Et alors que Nairo Quintana, lui par contre, il va peut-être être... Lui, il est peut-être déjà très bien parce qu'il va faire ouais, les classiques aussi, avant de couper et puis attaquer directement le Tour de France. Alors que Alaphilippe, on l'a déjà vu, hein, donc l'épisode passé,
Il était très bien, très très bien, parce que voilà, c'est sa période. Sans plus tarder, donc on y va pour cette quatrième étape. Vous aurez remarqué qu'on n'est même pas parmi les favoris, donc on ne donne même pas une pièce hein, sur, par rapport à Godu, donc voilà. Et toujours tenter d'éliminer celui-là, hein, Primoz Roglic, dans l'optique de ne pas du tout le voir briller sur le contre-la-montre. Donc voilà, let's go pour cette quatrième étape, c'est parti. Allez, c'est parti pour le 36 dernier kilomètre de cette étape au niveau du tour de Pays Basque avec les coéquipiers de Romain Bardet, Benoît Cosnefroy. On est au niveau au pied de l'Alto des Isois. Très très difficile hein, cet Alto. On vous avait dit qu'il y a 9% de maximum et une moyenne de 8.1. Ça ne fait que 4 km de montée, mais que c'est difficile de faire cette montée. C'est sur cet Alto que va se juger. Donc quasiment, hein, c'est presque en fait quasiment que l'Alto de Araté. Sache que l'Alto de Araté sont encore un peu plus difficiles. Donc voilà, un peloton compact, 114 coureurs, pas d'échappée. Et c'est Christopher Froome qui est en train de rouler. Donc les AG Désert, la mondiale, ont laissé la place aux Ineos Grenadiers de Chris Froome. Et les Ineos Grenadiers en fait sont venus avec Geraint Thomas. Il fait pas de bruit, mais il est là. Il est là, pas très loin, il est là parce que voilà, je vous rappelle qu'il va y avoir un chrono très très difficile à regarder. Hein. Donc le leader du classement, Godu, a complètement disparu des premières positions de ce peloton. Et Rigoberto Urán qui travaille pour Sergio Higuita. Il est lui c'est déjà fini. Hein, 53ème pour lui. Très très loin au niveau de ses standards. Bah, il s'est mis à plat ventre pour son leader, le jeune Colombien Higuita. Et à 28 km, toujours pas d'échappée. Et c'est Groschartner qui roule maintenant en tête. Christopher Froome récupère dans la roue. Regardez, Godu qui vient de faire son apparition dans les premières positions. Et il y a les Jumbo Visma aussi. Hein, qui il y a dans les Jumbo Visma, il y a Roglic, il y a Dumoulin. Et il y a également un autre coureur qui fait pas trop, dont on ne parle pas souvent, c'est Remco Evenepoel. Il est aussi ici, le troisième du dernier Tirreno Adriatico. Lui aussi hein, peut profiter hein, de ces petits écarts entre, des petits écarts qu'il y a entre les leaders, entre les favoris ici et profiter du chrono, le dernier chrono pour pouvoir reprendre, faire son retard. Il doit être quelque part un peu plus bas, je l'avais vu un peu plus loin, hein, donc de l'étape, il est là, voilà, Remco, et Honoré qui protège Remco. Mathias Franck qui travaille maintenant, donc on va avaler à vitesse VV', l'Alto deuxième catégorie, et Charman qui passe devant. Et Julien Alaphilippe fait travailler cette fois-ci Honoré. Allez, les Ineos Grenadiers qui repassent devant. Les Ineos travaillent pour Geraint Thomas. Il doit être dans un très bon jour. Regardez, hein, même Pogacar s'est mis au service de Geraint Thomas. Je sais pas le contrat qu'il a signé avec la formation Ineos. Mais il n'est presque pas leader. Hein, donc c'est quand même pas possible. Alors, 48 coureurs. Donc l'écrémage au niveau de l'Alto des Inzois a réduit le peloton. Et maintenant, on va se diriger au pied de l'Alto de Araté. Et là, terrain d'explication, c'est que combien de kilomètres de montée? Ça ne fait que 6 km de montée, mais un maximum à 10% et surtout une moyenne de 7%. C'est vraiment la pente rouge, hein, donc c'est là qu'est, que les leaders, les hommes forts vont devoir sortir. Attention à connaître un jour sans ici à l'Alto de Araté, ça fait très mal. Allez, voilà, cette portion qui va vraiment très... Cette portion va faire très 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 mal au leader du classement. Regardez Godu, que Hirschi est en train de repositionner. Ça fait très mal, hein, cette portion un peu plate comme ça. Ah là là, l'impulsion de Vincenzo Nibali, ça va faire très mal. Ça va coûter de la barre énergétique à Godu. Et Charman aussi, donc le relais, Charman, Nibali, Bob Jungels, sur cette portion juste... Donc le contreplat juste au pied de l'Alto de Araté va faire vraiment vraiment mal aux grimpeurs, ceux de grimpeurs qui ne savent pas rouler sur le plat, donc ont perdu hein, donc leur barre énergétique. Ici c'est parti, on est au pied, voilà, c'est parti, la montée finale avec Charman en tête. Attention, c'est en train de bouger, là Sergio Higuita qui attaque,
Attaque de Higuita, attaque de Sergio Higuita, Alaphilippe a tenté de prendre la roue du Colombien, mais ça n'a pas du tout suffi, il a sauté. Et Guillaume Martin va faire l'effort, Guillaume Martin ici va faire l'effort pour ramener l'auditeur du classement dans sa roue. Higuita en remet une couche, et Alaphilippe qui reste au contact. Et là-bas ça sort avec attention Bardet qui sort aussi, attaque de Bardet. Attention à Bardet, deuxième à 46 secondes, il va revenir sur le groupe Sergio Higuita et Julien Alaphilippe. Et derrière, c'est Guillaume Martin qui est en train d'abattre un travail là pour ramener son leader. Et attention, Primoz Roglic aussi, attaque de Guillaume Martin. Bernal, Denis qui saute, Guillaume Martin qui part avec Primoz Roglic. Et le leader du classement général y est un petit peu court derrière, distancé. Et le groupe de devant là, ils ont 27 secondes. Guillaume Martin va tenter de limiter la casse. C'est pas du tout un très bon Godu. Et Primoz Roglic qui repasse devant. Il y en a des partout, hein, donc on fera le bilan à la fin. Oh là là, gros tempo de Primoz Roglic qui fait la jonction avec ce groupe-ci. L'ultimo kilometro, c'est parti, ça lance les sprints. C'est le meilleur jeune qui s'impose. Victoire de Sergio Higuita. Et Quintana qui en termine, Walt Pulse aussi, Yates qui vient d'en finir ici, Egan Bernal, Fuglsang, Juan Dennis, Landa, oh là là, Pogacar, Van Der Poel, on va faire le... On regarde, ouh, Evenepoel qui prend cher également. Victoire de Sergio Higuita, maillot jeune en fait par procuration, mais on termine dans le groupe, dans le bon groupe ici. C'était difficile, mais bon, oula. Qu'est-ce que c'était difficile cette étape, je l'ai dit, hein. Donc l'alto d'un raté, c'est vraiment, vraiment difficile comme alto. En fait, on aurait dû partir avec Bardet quand il est sorti avec Sergio Higuita. Mais ça nous a bouffé, hein. Donc l'énergie, ça nous a coûté beaucoup d'efforts, surtout l'attaque de Primoz Roglic, le relais de Roglic pour revenir dans le groupe. Oulala, ça montre que Primoz Roglic est très en forme et il finit même, je pense qu'il finit 3ème, hein, sur cette étape. Belle victoire en tout cas du Colombien Sergio Higuita. Higuita, vainqueur du jour, hein, sur cette étape, il s'impose devant, je pense que c'est Alaphilippe et Primoz Roglic. Mais on va voir, je suis pas très sûr, je pense que Roglic fait quand même un podium. Il fait un podium, ah voilà, donc il fait 3ème, et Godu a juste fini vraiment le dernier, hein, donc ça lui permet de garder son maillot, mais Higuita revient à 38 secondes, et il roule mieux que Godu déjà. Alaphilippe 44, donc Roglic surtout, hein, le plus dangereux, donc lui qui s'était imposé la saison passée, il va tenter de refaire le coup, hein, de faire des coups cette saison également. On a vu qu'il était très 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 fort. Cette étape peut-être pour contenir Primoz Roglic, sinon ça va pas. Il faudra reprendre un peu de secondes à Primoz Roglic. 54 secondes, c'est rien. C'est rien face aux qualités de rouleur de Primoz Roglic. On va tenter une aventure, on va tenter quelque chose, hein, sur l'étape ici pour reprendre du temps avant le chrono. Parce que voilà, donc c'est la 5ème étape déjà. Après le chrono, va être là pour... voilà, nous, on va pas faire le foie. On va pas faire le poids plutôt. Donc c'est parti. 5ème étape, dernière opportunité pour les hommes du général. Tenter de faire quelque chose sur cette étape. Reprendre du temps surtout à Primoz Roglic qui est favori à sa propre succession. Il est à 50 secondes, hein, donc on va tenter. Si on a un jour, un très bon jour, on peut aller chercher une victoire et... quelques secondes également de bonification. Donc c'est parti, on va rester sage dans le peloton parce que voilà, les favoris sont là, c'est toujours les mêmes, hein. Mais on va rester un petit peu sage dans le peloton parce que la forme et la fraîcheur, regardez, en pâtit. Allez, c'est parti pour cette 5ème étape, let's go. Voilà, je vous reprends à 30 km de cette étape au niveau de la 5ème, hein, la 5ème étape au niveau de Pays Basque, Tour de Pays Basque. Et on a un peloton emmené par les United Emirates et les Sunweb également. Je sais pas qui est sur la Sunweb. Attention, parce que là, on est en train de faire un tickle, hein. Donc, on avait fait ça l'étape passée. C'est, vous vous souvenez, l'Alto des Isois. Très, très difficile, cette pente. Regardez, hein, le tempo imposé par Capna. Et allez, les Arkea Samsic aussi. Donc, nous, on se repositionne avec Godu. Alors, il y a... deux hommes devant, hein, donc c'est Yon Izaguirre et Richard Carapaz. On repart encore ici, hein, avec Mühlberger. Je pense que
Fuglsang a peut-être les fourmis dans les jambes, il est 10e au niveau du classement général, ça ne lui convient pas du tout ses classements, et il veut faire bouger les choses ici au niveau de l'Alto d'Isois. Il y va déjà avec deux coureurs, Rafa Maika et Mulberger, le 10e est sorti, et derrière ça va réagir, hein, donc les Arkea, avec derrière Quintana pour Nairo Quintana, et ici, Padom qui roule, Garen Thomas aussi qui va se mettre à rouler. Et il y a un sérieux candidat qui est sorti à 26 km de l'arrivée. Et avec Yates, bon, il est très loin, mais par contre, lui, le peloton, c'est à cause de lui. Hein, donc le peloton va tenter de revenir sur les hommes de tête. Il y a comme Fuglsang intercalé hein, entre le peloton et le groupe ici, Yannis Aguirre et Richard Carapaz, qui vont aller faire ces grimpeurs deuxième catégorie avec un maximum de 9%. Et la moyenne est des 5,7, donc pas très très pontu. Allez, Yannis Aguirre et Richard Carapaz, le Vénézuélien, dauphin de Primoz Roglic sur la route de la Vuelta 2020. Allez, ici maintenant c'est Rafał Majka qui se met au service de qui va servir de rampe de lancement à Jakob Fuglsang. Et Rezou Serrada, il est bien dans ce groupe. Si regardez là-bas derrière, hein, le peloton est en train de revenir très très fort avec Egan Bernal. Le tempo, le relais d'Egan Bernal, quasiment en danseuse, hein, dans sa roue, il y a Garen Thomas. Ils vont tenter de réduire l'écart, ils vont revenir. Hein, voilà, Garen Thomas et Egan Bernal vont faire la jonction avec le groupe Jakob Fuglsang, alors que devant... Une attaque ici de Richard Carapaz, attaque de Richard Carapaz, donc voilà, le peloton est en tête. Oh là là, le relais également, un autre relais, attention ça va bouger. Attaque de Jakob Fuglsang, attaque du Danois, et il est sorti avec Godu et avec Mathieu Van Der Poel. Ah oui, c'était la dernière occasion, il fallait reprendre du temps avant le chrono de demain. Godu, peut-être une autre couche, deuxième accélération du leader du classement général. Il faut aller chercher un petit peu des bonifications, mais le peloton est revenu. Ah non, il y a 9 coureurs, hein, 9 coureurs derrière, ça n'a pas du tout bougé. Allez, ici, ça ressort ici avec Kwiatkowski. Attaque de Kwiatkowski et Nairo Quintana qui sort. Godu également qui a tenté de prendre, et Godu va y aller. Attaque de Godu. Ah oui, voilà, donc Godu, Nairo Quintana et Kwiatkowski. Un très bon groupe hein, avec la descente de Nairo Quintana. Et Godu est peut-être en train de chercher la victoire finale ici hein, au niveau de ce tour de Pays Basque. Ah, ils ont 20 secondes. Hein, derrière, ça va peut-être revenir. Ils vont boucher le trou derrière. Allez, on va pas regarder derrière. On reste un petit peu ici parce que là, c'est le tour qui se joue ici dans le groupe de derrière. Donc, il y a tout le monde. Hein, je pense pas qu'il y ait délâché. Je pense que tous sont passés. Donc, regardez Higuita qui est bien dans ce groupe-là. Donc, Sergio Higuita, il y a... Il y a Roglic qui est là, donc il y a Pogacar, il y a Guillaume Martin. Allez, donc, oulala, Godu a peut-être été un petit peu distancé. Ah non, il est là, il revient, le leader du classement. Et on a Nairo Quintana, Kwiatkowski et Godu. Quintana qui veut aussi sauver un petit peu son tour, parce que là, il s'est pas imposé, donc il va placer une accélération à 3 km de l'arrivée, attaque de Nairo Quintana. Et Godu dans la roue, Kwiatkowski va peut-être placer un contre. Attention, ça lance des sprints, Nairo Quintana qui lance des sprints de très loin. Kwiatkowski dans le sillage, ça se regarde, attention, Godu va déboîter. Godu qui va s'imposer, victoire des Godu. Victoire de Godu qui a surpris Kwiatkowski au sprint. Kwiatkowski pensait que Godu va peut-être partir en retard, mais bon... On l'a surpris et on s'impose ici avec une maigre consolation. Je pense que on sera tous crédités de même seconde. Parce que voilà, donc c'est comme ça au niveau de Tour de Pays Basque. Donc tout va se décider sur ce contre-la-montre de demain. Ce qui va être vraiment du pain béni pour Primoz Roglic. Rien à faire, Roglic va larguer tout le monde, va mettre tout le monde d'accord sur ses parcours. Donc voilà. On regarde un petit peu le classement, donc on prend 10 secondes de bonification ici, sur cette étape, et on regarde le classement général. Victoire donc de Godu ici au sprint, donc on prend quelques bonifications, 10 secondes de bonification, c'est déjà ça, et avant le chrono final de ces tours de Pays Basque, donc on va se faire ramasser par Primoz Roglic, voilà, donc on a tous été crédités à la même seconde, donc ça servait à rien, mais bon, une victoire.
Et donc Roglic se retrouve à 1 minute 2, donc il va, c'est rien, hein, c'est du pain béni pour lui sur cette étape. En plus, c'est vallonné. Il y a peut-être moyen. Allez, on croise les doigts et ensuite on va voir un petit peu ce que ça va donner. Parce que si Roglic avait remporté hein, le Tour de Pays Basque la saison passée, il s'était juste imposé lors du chrono final. Donc il a joué vraiment le positionnement pour mettre tout le monde d'accord au niveau du chrono. Et puis après, il avait remporté le classement général. Donc on va voir un petit peu si ça sera toujours la même recette. Donc il a fait ça. Là, il était bien positionné, donc pas très loin. Il a joué vraiment fin. Avant, voilà, donc de porter peut-être le stockade sur ses contre-la-montre. Donc, on va voir. Donc, l'épisode qui viendra après, ça sera Paris-Roubaix. L'objectif du sponsor, faire un top 5. Donc voilà, dernière étape ici pour finir en beauté. Ce tour de Pays Basque avec deux victoires d'étape. Donc, on aura peut-être... Il en est à combien Godu? Donc on a remporté deux victoires je crois. Tour des Pays Basques, on en est à deux victoires d'étape. Donc la première et la cinquième. Donc on a eu le maillot pendant toute le, en fait, du début à la fin. Bon, la dernière journée va être capitale. On regarde un petit peu les favoris de ces... Voilà, donc il y a Remco, il y a Roglic, Dumoulin, il y a... Ça va être pour Roglic. Hein. Donc ça va être pour Roglic. Vallonné, 22 km, 1 minute, il est à 1 minute 2. C'est pour Roglic. Allez, donc c'est parti, donc on va faire le top 10, on va dire le top 15 de cette dernière étape pour que ça ne soit pas du tout long cette vidéo. Donc c'est parti pour cette dernière étape, Itulia Basque Country, let's go. Allez, donc on va faire ensemble les amis, les 17 derniers coureurs qui vont se lancer avec le départ ici de Remco Evenepoel, lui qui fait encore une saison un petit peu discret, donc il sera sur la route du Tour de France. Alors pour l'instant c'est le néerlandais Steven Kruiswijk qui est en tête devant Christopher Froome. Regardez, il n'y a que des grimpeurs pour dire que c'est un contre-la-montre vraiment vraiment taillé sur mesure hein, pour les grimpeurs. Et on s'attend à des coups d'éclat, hein, donc des écarts impressionnants. Regardez Kwiatkowski qui fait 15 secondes au niveau de ses premiers pointages. Et il fait 6 secondes. On va rester un peu avec Remco Evenepoel. Voilà, Remco ici qui a perdu un petit peu. Il a reculé au niveau du classement alors qu'il était très bien dans la course pour le classement général. Après, il s'est retrouvé à 5 minutes, probablement parce que son leader était devant. Donc, il a mis sa carte personnelle de côté pour défendre les intérêts de l'équipe. Et Remco au niveau du premier intermédiaire, le maillot blanc du Tour de France qu'on a joué ensemble, voilà, Remco Evenepoel en tête aussi au niveau de ses premières intermédiaires. Il a mieux fait que Tom Dumoulin, parce que Dumoulin, il termine 6e, c'était pas du tout un très grand Dumoulin. Donc il faudra peut-être s'accrocher pour aller chercher le temps de Remco. Ah, il était en forme, hein. Il était vraiment en forme, donc on aurait dû, du côté de la formation de Kenneth Quickstep, lui accorder plus de liberté. Croire en fait, hein, croire un peu plus en lui. Voilà, donc il va passer maintenant le portique, donc le dernier, deuxième pointage. Et meilleur temps également hein, de Remco au niveau de deuxième intermédiaire. Alors devant lui, il y a Mikel Landa. Landa qui est en train de s'effondrer. Et on a un pour nous qui va partir. Voilà, dans le top 10 est déjà parti. Hein, donc les écarts sont pas vraiment sans serrés entre les hommes du général. Donc on va aller un petit peu regarder Remco juste avant Landa. On reste encore avec l'homme Remco qui est en train de revenir sur Mikel Landa. C'est peut-être lui qui va aller chercher le temps de Kruiswijk parce qu'il est en train de faire mieux que tout le monde. Kruiswijk qui avait fini comme une bombe hein, derrière. Allez. Allez, Remco qui va avaler. Hein, il va avaler ici Mikel Landa. Il est juste derrière. Hein, il va dépasser, il va déposer Mikel Landa. Juste avant de basculer. Et voilà, c'est fait. Remco vient de déposer Mikel Landa. Et notre leader aussi va se lancer.
Je pense que Remco va finir. Allez, on va aller voir un peu Remco, hein, pour pas rater. Remco, Evenpool, Vanderpool, 13e, Geraint Thomas, Bernal, De Grint et Remco qui en finit. Attendez, je vais mettre un peu le son. Allez, plus que 800 mètres pour Remco Evenpool. Alors, le temps de Remco. Il s'empare sous nos yeux du meilleur temps provisoire. Voilà, donc c'était le temps de Remco qu'on cherchait de plus. Donc voilà, ici maintenant, avec les hommes du général, regardez, les écarts sont pas du tout très grands hein, entre les hommes du général, Nairo Quintana qui fait 9e temps au niveau du premier intermédiaire. Et ici, on va avoir une indication, une minute déjà, avec... avec Guillaume Martin, une minute au niveau du premier intermédiaire, c'est pas du tout très bon. Signe en tout cas Primoz Roglic, lui par contre, il est en train de voler. Il a fait deuxième temps, donc Roglic échouera un petit peu. Hein, donc il va finir deuxième derrière Remco. Oh là là, Romain Bardet hein, qui prend 54 secondes au niveau du premier intermédiaire, alors que le leader, le champion de France contre la montre, 48 secondes, premier pointage. Et on attend encore le passage du leader du classement général qui va probablement perdre son maillot. C'était un bon jour, mais c'est pas suffisant pour contenir Primoz Roglic. Regardez, hein, Roglic est déjà là. Il est déjà là, Primoz Roglic, au niveau du deuxième intermédiaire. Il a rattrapé Martin plutôt. Impressionnant, impressionnant Primoz Roglic, alors que Martin fait mieux que... Il fait aussi mieux... que Bardet, je pense. Oui, il fait aussi mieux que Bardet. Allez, Roglic est passé. Non, il laisse partir. Ah ouais, il n'arrive pas du tout, hein, parce que là, Martin en avait encore un petit peu sous la pédale. Il dépose un peu ici. Bon, c'est juste pour sauver l'honneur, hein, parce que là, se faire déposer comme ça par Primoz Roglic, il va recevoir un coup dans la tête, il s'en remettra peut-être pas. Et c'est juste pour repousser un petit peu l'échéance, hein, parce que le Slovène a encore émis le turbo pour basculer ici au sommet. Et il est reparti, Primoz Roglic. Impressionnant, 1-7. Alors au niveau de deuxième intermédiaire, Roglic va remporter. Et il n'y a que 1 minute 2, hein, donc Roglic a refait son retard, il a 1 minute 2 maintenant. Et il va finir deuxième, donc il va reprendre la deuxième place de Nairo Quintana. Alors que Godu maintenant doit faire mieux que 6 secondes de Primoz Roglic, ça c'est foutu. C'est Roglic qui va s'imposer, regardez. Higuita aussi qui fait un petit peu mieux que Godu. Mais finir déjà deuxième, ça serait déjà mieux. Et regardez, ici Bardet qui fait une 35. Très bien, Romain Bardet. Allez, Julien Alaphilippe qui va en finir à son tour. À 1,50 pour Julien Alaphilippe. Attendez, on va aller voir un petit peu les autres. Allez, Sergio Higuita qui va en terminer aussi. Le Colombien qui fait 1,7. Je pense que Godu va faire. Godu va finir deuxième un petit peu. Hein, donc il devrait faire 6 secondes. Donc ça c'est foutu. Il va finir deuxième ici au niveau de ce tour. Donc victoire de Remco sur cette étape. Une 23, oula, je sais pas, hein, donc je pense qu'il termine deuxième, en tout cas sur le podium. Donc victoire de Remco Evenpool devant Primoz Roglic, Nairo Quintana. Et Tadej Pogacar qui fait dixième à 58 secondes. Donc Remco s'impose ici devant Primoz Roglic. En fait, il aurait dû être les leaders hein, donc, au niveau de ses formations. Et voilà, Primoz Roglic remporte ce classement général. Donc il refait le coup de la saison passée, sauf qu'ici, il s'est pas imposé. Il n'a pas remporté une seule étape, c'est juste au prix de ce chrono, donc il a remis le pendule à l'heure, il a mis tout le monde d'accord, et il remporte le classement général, il repart comme la saison passée, avec cette tunique, donc il va être l'homme à battre également hein, sur la route du Giro. Très belle préparation hein, du Slovène Primoz Roglic, et ici, là, le maillot remporté par Richard Carapaz, devant Antonio Pereiro, donc il était venu juste avec cette idée de remporter cette tunique, de meilleurs grimpeurs sur cette édition. Et nous on repart avec le classement jeune avec Godu sur le podium. On fait
15 secondes, on termine à 15 secondes de Primoz Roglic avec deux victoires d'étape. Et 15 secondes, c'est déjà réconfortant. Donc devant Sergio. Donc maillot de points déjà en fait. Hein. Donc on remporte le maillot de points et le maillot jeune également. Devant Sergio Higuita. Pour 32 secondes. Donc on repart aussi avec cette tunique. Et au niveau du classement de classement par équipe, je pense que ça serait peut-être pas nous par hasard. Non, on termine troisième, c'est la team Ineos de Garen Thomas, Pogacar et Kwiatkowski devant la Jumbo Visma de Primoz Roglic. Donc voilà, c'en est fini pour ce tour de Pays Basque. J'espère que vous avez adoré ce tour de Pays Basque. Donc c'était vraiment difficile de contenir hein, les attaques de Primoz Roglic. Je trouve que c'est un des tours le plus difficile, en tout cas parce que j'ai pas de puncher qui roule aussi très bien. Donc au niveau de la FDJ, on n'en a pas. Peut-être avec un peut-être la saison prochaine, on mettra peut-être Thibaut Pinot ici sur le route de cette tour de Pays Basque pour tenter de remporter au moins le Pays Basque. Donc voilà, Gaudu qui termine deuxième à 15 secondes de Primoz Roglic qui va s'aligner sur le route de du Giro. Donc il va enchaîner. En plus, il n'avait que 86% de forme. Hein. Donc on sent déjà un Roglic en puissance qui va monter progressivement, donc notamment son prochain objectif, sa prochaine course, ça va être le Tour de Romandie. Ensuite il va s'aligner sur le Giro et il sera probablement aussi avec Simon Yates, hein, donc on va reconstituer les hommes qu'on avait retrouvés. Non, Simon Yates lui sera pas là, il va faire le Tour de France. Donc voilà, Bardet par contre il va faire le Giro lui, hein. Higuita ça c'est sûr. Non, Bardet il fait le Tour de France. Higuita lui j'avais vu qu'il faisait aussi le Giro, oui, Higuita lui va faire le Giro, mais entre temps, il a complètement beaucoup de courses intercalées. Donc voilà, on va se donner rendez-vous très très vite les amis pour la suite de votre carrière. Donc le prochain épisode, ça va être le Tour de Romandie, enfin le Paris-Roubaix. Ensuite, on ira au niveau du Tour de Romandie. Vite, donc on fera Paris-Roubaix, ensuite on va faire les classiques ardennaises. Et le Tour des Alpes aussi entre temps, donc en préparant Liège-Bastogne-Liège, Tour de Romandie. Donc voilà, on s'approche tout doucement hein, du premier grand tour de la saison. Et on se donne rendez-vous très très vite, prenez très bien soin de vous, et à très vite. Ciao.